Mesdemoiselles, mesdemoiselles, je vous en prie. Inutile de s'énerver pour si peu. M'énerver? Tu ne m'as jamais vu énervée. Garder le contrôle de ses sorts est un signe de discipline, Kara. Et ça, tu ne pourras jamais y arriver. And the instructors aren't here to shield you. Go on. Set fire to this whole street and this sad tavern, and you'll never be able to return to the academy, let alone Neverwinter. Comme si j'avais envie de rester dans cette prison, avec de sales petites sorcières comme vous. Tu as raison. Ta place est ici, dans les docks, où tu peux te vendre pour 2 sous. Ah, il me faut boire. Je sens qu'on va bien se marrer. Au nom des 9 enfers, qu'ai-je fait pour mériter ce... Oh, les dieux soient loués, te voilà. Fais quelque chose. Ces filles sont sur le point de faire pleuvoir les sorts. Plutôt que ce, j'ai l'idée de participer. Non. On va voir ce que je peux faire. Tu décides, fais vite. Si la situation dégénère, on ne pourra jamais apporter assez d'eau du port pour éteindre l'incendie. Hitha, I think members of the Watch are here. Des amis à toi, Kara? Ils viennent te tirer de ce mauvais pas? Je n'ai pas besoin d'aide pour vous réduire en cendres. Messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe? Inutile de discuter. Nous allons faire en sorte que cette garce de Kara ne nous menace plus jamais. Yeah, if Quara is so superior to us, then I say let her prove it, without the academy instructor stepping in to stop things. Les instructeurs, ils ne m'ont jamais arrêté. C'est toi qui as les gingres dans leur robe, pas moi. J'ai entendu tout ce que tu as pu dire sur moi. Toujours à bavasser dans mon dos, à me ridiculiser. Juste parce que toi, il te faut 2 heures pour lancer le moindre tour de magie. Et tu penses qu'il vaut mieux mettre le feu à une écurie comme tu l'as fait? Je recherche le contrôle par les grandes démonstrations comme toi. Yeah, Hitha is simply cautious in her craft. You're the dangerous one, Quara. Si vous saviez à quel point j'étais dangereuse, vous n'auriez pas dû venir me titiller comme ça. Mademoiselle, s'il vous plaît, il doit bien une façon... À votre place, je n'interviendrai pas. Sans ça, il va falloir qu'on vous arrête aussi. Nous sommes des magiciennes, vous savez. Yes, wizards, from the academy. But we don't want any trouble with you. Just Quara. Hitha, I don't want to be cast out of the academy if we're arrested. Très bien. Ça n'en vaut pas la peine. Tu as de la chance cette fois, Kara. La prochaine fois... Fais attention si on te chope en dehors de l'académie. Allez, Glina. Je pense qu'on a assez respiré l'air des docks pour aujourd'hui. Bien, j'ai évité le combat. Je n'avais pas besoin de toi. Ces sottes auraient eu leur... Je m'en fous de ce que tu dis. Ces petites nobles pseudo-magiciennes sont juste jalouses. Elles ne digèrent pas le fait que j'ai plus de pouvoir dans mon pouce qu'elles après une journée de concentration. Elles ont toujours le nez dans leurs livres à vouloir classifier la magie. C'est une perte de temps. La magie, elle est là. On l'apprend ou pas? Mais c'est avant tout une question d'instinct. Tu es à l'académie. Eh bien, en fait, je ne fais plus partie de l'académie. Je suis partie. En gros, après avoir brûlé les écuries. Pardon. Ma jolie, fallait y penser avant de commencer une bagarre devant la chope. Sans parler des dégâts que tu as causés avant même qu'elles arrivent. C'est à cause du bois utilisé pour les poutres. Il brûle facilement. Je suis désolée. Désolée? Hey, ce n'est pas des excuses que je demande. Tu vas me rembourser pour les affaires que tu m'as fait rater, pour ma réputation ternie et pour avoir mis ma famille en danger. Quoi? Je refuse de travailler pour toi. Attends une seconde. Oh, que si tu vas travailler. Ou je te promets que tu vas avoir des pépins comme jamais. Et non seulement ça. Si tu refuses, tu donneras raison aux filles. Tu es vraiment prête à reconnaître que tu n'as pas la discipline, ou le contrôle, ou le sens des responsabilités, comme elle l'affirme? Et puis, je doute qu'on t'accueille à bras ouverts à l'académie. Si tu as besoin de fonds et d'un endroit où loger, on dirait que tu peux faire d'une hache 2 kobolds. Oui, moi j'ai besoin d'elle. Tu veux que je t'aide? D'accord. Mais je te préviens, tu ne seras peut-être pas de taille à me contrôler. Mais si tu veux prendre le démon par les cornes... Eh bien... J'attendrai dans la shop. Alors du coup, je pense que l'on va changer. Et qu'avant d'aller voir ces personnes, nous allons nous renseigner auprès de notre nouvelle héroïne afin d'avoir un groupe un peu plus homogène. Sachant qu'avec Nishka... Tu appelles ça une insulte, la cornue?
Même Dame Nature pourrait trouver mieux que ça. La cornue. On ne l'avait jamais faite, celle-là. Razibus, va. Fais un effort. C'est un surnom, ça, pas une insulte. Chez nous, les points d'anel, c'est comme ça qu'on appelle nos enfants, hein, ma piquette. Ma biquette. Je vais t'en faire voir des biquettes. Retourne picoler, sac à vin. Ça, au moins, tu sais le faire. Je n'avais pas fini. Amateur. Amateur ? Oh, la princesse gâtée se croit supérieure à Nickelga. Pas mal pour une fille qui s'est fait jeter de l'académie. Vous ne sauriez pas reconnaître une insulte si elle vous sautait dessus. Bon, puisque t'es si forte, montre-nous ce que t'as dans le ventre, rouquine. Oh, cet imaginatif et mordant, avec un zeste d'esprit. C'est vraiment tout ce qu'une démone peut faire? Remarque, normal, tu es assis sur ton cerveau. Cerveau? C'est une queue, idiote. C'est quoi alors, ça, à côté? Tu devrais desserrer un peu ton pantalon parce que, même avec le trou, apparemment tes neurones manquent d'air. Bon, je comprends rien là. Eh ben, elle a dit que ton cerveau est à côté de ta queue, donc dans ton derrière, et que donc tu respires par le... Ok, ok, j'ai compris. Sorcière de pacotille. Ne le prends pas si mal. Il a fallu que je t'explique, donc l'insulte a fait un bide. Mais un bel effort pareil, ça mérite un verre, ton Altesse. À mon avis, la chope n'a jamais vu une meilleure gobeline comme fille de salle. Oh, depuis que ta mère a été virée? Hein? Attention, ne touche pas à ma mère, petite fille à papa. Tu vas apprendre une chose ou deux sur l'honneur et la virilité des points d'anel. Oh, tu veux parler des deux plus petites choses de tout faire une? D'après ce que j'ai entendu, les femmes ne sont pas très impressionnées par la virilité des points d'anel. Quoi? Beaucoup de femmes connaissent la virilité des points d'anel. Beaucoup. C'est juste qu'elles vivent, pour la plupart, à eau profonde. Et sinon, elles t'en parleraient. Kelgar, du calme. Du calme? Je vais pas laisser une gringalette me parler comme ça. Surtout une bagarreuse qui se bat n'importe où. Oui, mais au moins moi, j'ai retenu la leçon, espèce de demi-portion. Maintenant, si tu as fini de te ridiculiser devant un esprit comme le mien... Tu peux remonter sur ta chaise haute et boire ton honneur jusqu'à ce que ta vessie soit pleine. Je viendrai te chercher pour te porter dans ton berceau un peu plus tard. Hein? C'est bon. Et demi-portion, c'est plutôt pas mal, ça. La ferme, queue de rat. Ah, moi qui pensais que les mages n'avaient rien à apporter au monde. Duncan, une autre. Viens chercher ton verre toi-même, le nain. Tu peux bien faire ça, puisque tu n'as pas encore payé la moindre goutte. Je me demandais quand on me laisserait enfin me servir tout seul. Quelqu'un d'autre a soif? Il y a des nains qu'on ne devrait jamais laisser monter à la surface. Petit parasite. Eh ben c'est la bien ambiance, c'est la bonne ambiance ici. C'est la très très bonne ambiance. Elle est où, Micheline? Ah là là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te battu contre des disciples? Et pourquoi pas? Elles passaient leur temps à m'insulter à l'académie. Et je ne suis pas de celles à me laisser faire. J'en sais plus sur la magie qu'elles n'en apprendront jamais. Ces pimbèches ne sauraient même pas faire léviter une fourchette. Elle t'insultait. Oh, à leur dire, je serais dangereuse et méprisante. Et alors? La seule magie qu'elles connaissent, c'est celle qu'elles apprennent dans leurs livres crasseux. Tu sembles plutôt dangereuse, en effet. Oh, pauvre chou. Tu devrais peut-être rejoindre les autres mauviettes dans leur dortoir. Enfin, si je ne l'avais pas cramé. Bref. Je sais ce que c'est de sentir le pouvoir affluent en soi. Elles n'ont fait que l'entrevoir de loin. Très bien. Et quel effet ça te fait? C'est comme un frisson qui se propage en toi. Une chaleur qui émane à la fois de ton cœur et de ton esprit. Et cette chaleur finit par te submerger, au point que tu te sens capable de tout brûler sur ton passage, sans même avoir à en souffrir. Je peux à peine l'expliquer, mais je le ressens bien. Tu parles comme les maîtres de l'académie, et d'eux aussi je me suis vite lassée. D'accord, n'en parlons plus. Mais j'ai pas fini. Parle-moi de toi. Si ça t'intéressait. Si je n'avais pas à moitié calciné la bicoque de ton oncle, je ne serais même pas là. Hey! Oh, ferme-la, l'ivrogne. Mon problème, c'est qu'on me chapitre toujours sur ce que je dois faire et ne pas faire. Je connais mes pouvoirs. Et je n'ai besoin de personne pour m'apprendre à les utiliser. Je devine sans peine de quel membre de l'académie tu tiens ça. Ces instructeurs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Leur enseignement se résume à réciter une théorie poussiéreuse. Cherche à t'enseigner pour mieux employer tes pouvoirs.
Mieux? Pourquoi? Pour servir, pas d'hiver? Ne dis pas de bêtises, l'académie est un lieu où les nobles entassent les rejetons qui les embarrassent. N'essaie même pas de prétendre le contraire. Oh que non. Vas-y, je t'écoute. Comme si ça attends, il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Mon propre, je connais mes pouvoirs. Et je n'ai besoin de personne pour... Vas-y, je t'écoute. Non, bah non, c'est tout. Ok, ok, donc on en sait un peu plus sur cette personne. Quel bon vent t'amène de Port-Nuit. Qu'est-ce que oncle Duncan peut faire pour toi? Non. Bah écoutez, je pense qu'on va partir, à moins que je puisse prendre les 5. Je ne peux pas prendre les 5, ok. Et d'un côté, on va laisser Nishka et on va prendre Kara avec nous. Oui, je pense que nous allons faire ça. Une magicienne, un druide, un guerrier, un voleur. Ça me paraît être une très très bonne combinaison. Je vais me renseigner un petit peu sur les compétences de notre cher Kara. Mais en même temps, j'apprendrai un peu plus sur son histoire pour essayer de l'aider. Ah, par contre, voilà. Oul, oh merde, il se passe quoi? Et par intercès, tu nous as appris que tu as menacé notre sœur. Oh, super. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. On va faire ça vite. C'est bon. Ça a réglé ce problème. Nom de Dieu. Kara, 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 ma petite Kara, t'as failli tous nous tuer. Est-ce que c'est ajouté dans mon journal de quête, cette chose? Non, mais il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à ce que tu vas faire, Kara. Bien. Je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour les gardes, moi. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien. Alors oui, non, Kara. Ma petite Kara, voyons voir un petit peu. Chaotique neutre, oui en effet, en sorceleuse, très bien. En compétences, tu as plein de choses, très bien. En don, des armes de guerre, magie de guerre, école renforcée de l'évocation, familier. Parfait, parfait. Et qu'as-tu dans ton inventaire? T'as rien, tu n'as aucun équipement. Comme par hasard, je vais devoir faire comme tout le monde, à savoir t'équiper un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Et comme je suis dans sorceleuse, il va falloir que je réfléchisse à quoi te mettre. Bon. Allons voir la garde. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde réclame l'aide de la garde, mais autant... Comment c'est possible? Pourquoi? D'après la mère, Caleb s'est fait trucider, ses hommes se déchaînent. Ils volent tout ce qui n'est pas solidement fixé au sol. Je sens personne pour être nerveuse. Timor m'a béni, mais bon, j'ai une garde assurée, je ne me ferai pas bouger d'ici. Tout ce que je veux, c'est rester en vie. Ouais. Ah oui, je vois pas pourquoi je risquerais ma peau alors que personne n'a jamais rien tenté contre les gardes qu'elle a achetées. Vous savez qu'ils sont des traîtres? J'ai mes doutes, mais aucune preuve avancée. Alors, si officiel pas. C'est à vos supérieurs de lancer le mouvement. Vous avez raison, je fais ce qu'on me dit de faire. Mais vous avez une patrouille à faire et moi, très bien. Eh bien, eh bien, eh bien. J'ai fini mon petit tour de garde. Et ça a été fructueux. Au moins, j'ai appris pas mal de petites choses. Et on va régler le problème de ces petites brutes. 4 brutes, donc il se peut que je prenne tout dans ma lugue. Ah! Non, au secours. Non, il faut régler les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. Oh là là, c'est problématique tout ça.
Bon, toi, on va régler ton problème aussi. Il a pas de potion, il a pas de potion, au secours. Au secours, il a pas de potion. Allez, mais tuez-le, nom de Dieu. Voilà. Non mais... C'est pas trop tôt. Putain, quel garçon son point de vie qui m'a fait peur. Bon, au moins, c'est une bonne chose de faite. Ah oui, donc c'était une brute. C'était des grosses brutes. Ouais, il va falloir agir et vite. Concernant ces personnes, ça ne me plaît pas. Nickel. Non, c'est pas ça, c'est la map que je veux. Les attaques vont être de vraiment plus fréquentes. Et merde. Et merde. Les gars, plus sanglant de pas dire pourvu que l'équipe. Qui a fait ça? C'est la clique de Moira. Ouais. Chaque épisode est bien trop timoré. Mince, mince, mince. Chier. Quartier des marchands. Et ben alors, on va y aller. On va y aller. Nom de Dieu de nom. Donc, où je dois aller? Où est la garde? Elle est devant moi, parfait. Vite, allons tout de suite avertir ce qu'il s'y passe. En espérant que les gens sont encore en vie. Ce serait une très très bonne chose. Capitaine, ah, capitaine! C'est donc notre nouvelle recrue. Cornick m'a parlé de votre héritage étrange. Et il m'a aussi dit que vous avez fait preuve d'une retenue admirable pour nettoyer les docks. Vous méritez nos félicitations. J'avais espéré que votre retenue dans ce domaine évite tout nouvel embrasement de violence. Mais la bande de Moira nous a forcé la main. La nuit dernière, la garde a été attaquée directement. L'un de nos postes a été incendié. Et le lieutenant Rowe a été tué. Le lieutenant était quelqu'un de bien. Son poste dans les docks était difficile, mais il s'en sortait toujours au mieux. Nous le regretterons. Ces maudits assassins ont maintenant la voie libre. Mais cela ne durera pas. Capitaine, laissez-moi mener la garde dans les docks pour venger nos hommes. Les assassins de Rowe paieront pour leur crime, Prévost. Mais ce ne sera pas en usant de la force, mais avec le temps et de la patience. Et nous devrons rétablir notre présence dans les docks. Si nous traînons ces assassins devant la justice, il nous faudra un nouveau visage dans le quartier. Un membre loyal qui saura faire preuve de retenue autant que de sûreté. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. En résumé, vous allez prendre la place du lieutenant Rowe. Je pense que vous conviendrez parfaitement, surtout avec vos compétences uniques. C'est pas du tout. Mais vous n'avez pas entendu parler des meurtres qui ont eu lieu là-bas? Un autre noble est mort. Dalren n'était que le premier. Je ne laisserai que l'élite de la garde entrer dans le lac noir. Si vous me servez bien, je vous ferai entrer, mais pas avant. Vraiment? Je pense que ce sera plus difficile qu'il n'y paraît, mais oui. Et tout ce que j'ai vu et entendu me laisse à penser que vous êtes la personne idéale pour ce poste. Tout cela sera pour l'honneur de la garde. Si ces tueurs s'en tiraient impunément, alors nous serions tous en danger. Cornick dit vrai. Moira et ses hommes doivent être éliminés. Et la garde ne peut pas montrer la moindre faiblesse.
Il faut agir. Bien. Pour pas l'hiver, Jax. Nous ne pouvons pas attaquer la bande de Moira. Faute d'une base fixe, c'est leurs opérations qu'il faut viser. Pour les priver de leur or et de leurs hommes, pour qu'il ne leur reste rien. La situation dans les docks risque d'empirer. Notre conflit contre Moira et sa bande menace de dégénérer en guerre ouverte. Je pensais qu'ils ne se risqueraient pas à sortir l'arme contre nous dans les rues, mais nos informateurs nous ont appris qu'ils sont sur le point de faire entrer de façon clandestine des armes dans ce but. Ils préparent un combat. Et si les quantités rapportées sont exactes, la garde sera rapidement dépassée par le nombre. D'accord. Arrêtez ce chargement. Et mettez fin à ce trafic de façon définitive. Vous êtes la seule personne à qui nous pouvons confier ce travail. Beaucoup de membres de la garde dans ce quartier ferment les yeux en échange de quelques pièces. Et il faudrait s'occuper de leur cas. Un problème à la fois, Cormick. Quand nous aurons réglé le problème du trafic, le prix de la reconstruction sera moins élevé. Alors nous pourrons payer les gardes comme il se doit. Ben voyons. Parce que le problème vient du manque de fonds, pas de leur loyauté. Capitaine, vous êtes peut-être vous-même aveuglé par l'éclat de l'or. C'est vous qui manquez de vision. Vous êtes aussi aveugle qu'une mule entêtée. Ce n'est pas une affaire simple, Cormick. Les docks sont notre seule source de revenus. Nous ne pouvons même pas rassurer les marchands en patrouillant les routes. Il nous faut tous les gardes, ne serait-ce que pour faire acte de présence dans... Nous n'avons pas besoin de ces épouvantails. Ces traîtres sont des chancres à la face de pas d'hiver. Et ils laisseraient les voleurs nous trancher la gorge. Si nous les laissons céder à la corruption sans la moindre conséquence, nous ferions aussi bien de rendre les armes. Et que proposez-vous, Cormick ? Avec les fonds utilisés pour la reconstruction, l'ordinaire des gardes est assez maigre pour que la tentation soit irrésistible. Nous devons faire avec jusqu'à ce que la reconstruction soit finie, quoi qu'il arrive. On pourra passer d'autres. Ils sont assez audacieux. Et aucune fausse démonstration de force ne les arrêtera. Silence, Cormick. Il suffit. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faudra régler ce problème. Lieutenant, vous avez prouvé votre utilité. Et vous l'avez fait à grand risque pour votre personne. Nul doute que Moira et sa bande cherchent un moyen de vous tuer. Ouais, comme c'est rassurant. Excellent. Vous vous en doutez, cela sera dangereux. Mais il pourrait y avoir un intérêt à arrêter cette opération. Tout ce que vous confisquerez pourra servir à renforcer la présence de la garde dans les docks. Et le premier garde qui aidera ces voleurs sera éliminé. Nous avons besoin de discipline dans les rangs. Votre mission, lieutenant, c'est l'opération de contrebande. Je veux que ce problème soit réglé. Une fois que les contrebandiers des docks auront été amenés devant la justice, je pense que nous n'aurons plus grand-chose à craindre en matière de corruption. Et parfois, la corruption peut nous aider. Notre informateur nous a prévenu que la cargaison serait apportée via la traversière, dans les docks. Vous devez empêcher ces armes d'arriver à destination. Faites attention sur place. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sans le vouloir. Allez, save. On va prendre un autre slot. Et on y va, on les tipeurs pour aller attaquer les méchants voleurs. Monseigneur Nachère, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ah, messire Neval, nous parlions de vous justement. Ces hommes sont de la guilde des marchands et je leur faisais l'éloge des succès de la garde sur les docks. Ils allaient d'ailleurs m'entretenir de leurs efforts pour garantir la recrudescence du commerce maritime pour cette saison et compenser nos pertes par voie de terre. La saison a été particulièrement rude pour pas d'hiver, monseigneur. Nos concitoyens seront ravis de voir davantage de navires accoster et décharger leur cargaison. C'est juste. Je vous remercie de vos efforts, messire Neval. Les félicitations sont de rigueur pour vous comme pour les neufs. Monseigneur Nachère, je transmettrai vos compliments à la garde. Je crois savoir qu'une grande part de leur récent succès est imputable à nos nouvelles recrues. Qu'il en soit ainsi, Val. Après la guerre avec Luskan et le fléau, c'est bon de pouvoir enfin porter notre attention aux questions qui importent. Notamment la question des taxes commerciales à percevoir. Bien entendu, monseigneur Nachère. Avec votre permission, je retourne à mes devoirs. Disposé. La
guilde et moi avons beaucoup de choses à voir. Le seigneur Nasher, ça alors. Qui est une très très bonne voix. Alors, je suis dans le quartier marchand et je dois retourner au quartier des docks, n'est-ce pas? Alors, entre dans la travoisie, dans la traverserie via les docks. Oui, c'est ça. Et bien, on y retourne. Bah, demi-tour. Du coup, en fait. Et on y retourne. C'est quoi ça? Ferme de Chandra. Oui, j'y suis déjà allé. Votre demande, Seigneur Garius, à de telles distances, je n'avais pas imaginé que votre aspect serait... Les ténèbres offrent bien des privilèges, Torno, mais le temps presse. Ne nous compromettons pas à force de paroles inutiles. Torio m'a informé que tu peinais à infiltrer Lac Noir, l'homme. J'ai donc décidé de te prêter main forte. Tiens donc. Le spectre fait route depuis Luskan vers les docks de Padiver. Avec des alliés à son bord. Des alliés, monseigneur? Oui. J'ai détaché des agents pour mener à bien ta mission d'infiltration dans l'eau. À moins que tu le contestes. Pas du tout, mais j'avais espéré m'en charger personnellement sans que... Il me faut plus de temps, monseigneur. Je trouverai un passage vers Lac Noir. Non, Lord. J'ai une autre tâche à te confier. Délivrer un message à nos autres alliés, à l'est. Je pourrais demander à un membre du Cercle des Lames, monseigneur. Ils sont prêts à servir, autant pour infiltrer Lac Noir que pour contacter les orques. Je n'ai pas besoin d'un assassinat, mais de ta présence. Tu escorteras quelques-uns des prêtres ralliés à notre cause. Comme les orques, ils requièrent une attention personnelle. Nous envoyons les prêtres de l'ombre au fond à l'effraie. Quant à toi, Torio, surveille le spectre. Je te recontacterai peu avant son arrivée. Il se passe des choses très 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 étranges. Plein d'histoires. Plein d'histoires. Bien, mais où se trouve la traversière? C'est la question que je me pose. Regarde, vers la traversière. Eh ben tiens, justement. C'est là-bas. Alors, il faut aller derrière, ok. Oh, bah, j'avais laissé ça. Entre gosses, merde. On se serre les coudes. On essaye de survivre, mais on n'obéit à personne. Tu vas travailler pour nous, petit. Papa, me frappe pas. Je te promets que je ferai plus tomber le panier. Quoi? Je fais de mon mieux. Mais me bats pas comme Emma. Elle peut presque plus servir de sa jambe. Regardez ce pauvre gosse. Quelqu'un devrait... Ne vous laissez pas avoir. C'est quoi, c'est... C'est un voleur. Regarde, je regarde. Vous n'allez pas le croire quand même. Faire tomber un panier, c'est mal qu'il m'a dit. On reçoit une belle correction pour ça, comme pour le reste. Qu'est-ce que vous comptez faire à votre gamin? Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Ne le croyez pas, il ment. Je ne vais pas rester là à rien faire pendant que vous faites mal à cet enfant. Vous devriez avoir honte. On en reparlera, Wolf. On n'en a pas terminé. Et ça, cours. Ça va, mon petit? Ça ira bien, merci. Merci à vous, surtout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça?
Je prends. Hop, gamin. 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 Gamin, tu vas où, gamin? C'est quoi cet endroit? C'est la, bah c'est la traversière, et je suis con, moi. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette session de Neverwinter Nights, qui a été riche en bien trop d'histoires, et que maintenant nous allons devoir faire la garde. Le jeu augmente dans ses difficultés, et c'est très bien. Il s'est passé plein de choses, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, à commenter sur... le fait, si vous avez une stratégie pour les équipements, pour les attaques, que sont les personnes, évidemment, vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, Instagram, où je suis le plus présent, et à même venir sur Twitch. On est bien sur Twitch, on fait des trucs plusieurs soirs dans la semaine. Venez, c'est bien. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.